I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour ou bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale une fois de plus. Aujourd'hui, je suis, mon nom est Jonathan Drapeau, je suis avec mon co-animateur Benoît Laferrière qui est Nasta Daben. Comment ça va mon Ben aujourd'hui? Ça va très bien. Et avant de continuer, j'aimerais ça remercier tous nos auditeurs, ceux-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Sans vous, le projet ne serait pas possible. Oui, effectivement. Puis, c'est le fun que vous continuez à nous suivre là, davantage là, sur les médias sociaux. Donc, on est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Amazon Music et Alouette. Aujourd'hui, chers amis, dans le fond, il fait pas beau dehors. C'est une grosse, c'est une drôle de journée, une grosse hiver. Puis, qu'est-ce qui fait penser à l'hiver? C'est nos sports nationaux. Ouais, comme le hockey, par exemple. Yes! Et puis, on a un invité spécial qui va pouvoir nous parler de sa carrière. Et puis, un des films légendaires, un des 10 grands films sportifs de tous les temps. Hein? Doublé en québécois, bien entendu. Oui, c'est ça. On parle bien sûr de Slapshot. Oui. Et puis, on va aller rejoindre notre ami, notre nouvel ami, M. Barrette, qui a interprété le gauleur du film Slapshot. Bonjour, M. Barrette, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très, très bien. tout d'abord, en fait, on sait que récemment, au mois d'octobre, vous avez été opéré. La première des questions qu'on voudrait savoir, c'est comment va votre santé, M. Barrette? Ah, Dieu merci, ma santé va très, très bien. L'opération a été un succès et puis je suis en pleine forme. Plus en forme qu'avant l'opération, finalement. Ah, c'est tant mieux, c'est des bonnes nouvelles. Oui, j'avais des problèmes de circulation sanguine. OK. L'opération, c'était un anévrisme que j'avais. OK. Puis maintenant, ma circulation est 100 sur 100. Super, ouais. Parfait. Comme un jeu de mots. Oh, exactement. Oui, M. Barrette, avant d'en venir au sujet du film Lancer frappé, version française de Slapshot, on aimerait savoir si vous avez toujours voulu être comédien, bien, vous envisagez un autre métier dans votre enfance? Non, j'étais sérieusement comédien avant même de faire ce film-là. Okay. J'ai étudié à l'École nationale du Canada. Oui, bien sûr. Et puis, j'avais déjà travaillé dans plusieurs films québécois avant de faire Slapshot. J'avais fait La vraie nature de Bernadette avec Gilles Carle, okay. Les corps célestes. Quelques films avec Jean-Claude Laure. Okay. Le premier de tous les films que j'ai fait, c'était Bulldozer avec Pierre Harel. Et dans plusieurs de ces films-là, j'ai travaillé avec Donald Pilon, qui est devenu mon... Okay. Et puis Donald a été invité par le réalisateur de Slapshot, George Royal, et celui qui a fait la direction du film... Mike Fenton. Mike Fenton est celui qui avait fait la distribution de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, avec Jack Nicholson. Oui, c'était un bonhomme extraordinaire. Je pense qu'une des clés du film, c'est que tout le monde était à sa place dans ce film-là. Il n'y a pas de petits personnages. C'est pratiquement un documentaire. Le scénario était extraordinaire. Mais pour en finir avec... La présence de Donald Pilon à Montréal, George Royal et Mike Fenton étaient installés au Ritz-Carlton. Et puis Donald leur a présenté des comédiens francophones parce qu'eux autres, ils cherchaient un short, squat, French-Canadian to portrait the goalie. Okay?
Et oui. Il y avait, après une semaine, il avait auditionné peut-être 300 personnes. Et okay. Il n'avait pas trouvé l'acteur pour jouer le rôle. OK. Mais étant donné que Donald Pilon et moi étions amis, la dernière journée, George Hill était sur le point de retourner à Los Angeles, un peu découragé. Et puis Donald a pensé à moi. Il a dit « Yvon ». Et il leur a dit « Demain matin, je vous amène chez Carl Lamy, la compagnie de production avec qui nous avions fait La vraie nature de Bernadette, Les corps célestes. » Et puis il leur a fait visionner un extrait de La vraie nature de Bernadette, puis un extrait des corps célestes. Et après m'avoir vu la bête pendant quelques minutes, ils ont dit « On veut le voir aujourd'hui ». Mais moi, j'habitais déjà en Gaspésie. J'habitais oui. déjà à Saint-Léandre, près de Matane. Alors, j'ai reçu un coup de téléphone le matin. C'est-à-dire, c'est ma femme qui a répondu. Moi, j'étais occupé à aider un de mes amis à transporter du foin, je ne sais pas quoi. Et puis, la fille de l'Union des artistes a dit, Monsieur Barrette, serait-il intéressé à jouer dans un film avec Paul Newman? Paul Newman, à cette époque-là, était très connu. Oui, bien sûr, mais sans savoir de quoi il retournait. C'était quoi ce film-là? Là. C'est ça. Un western, c'est-tu, je ne sais pas quoi. Et puis, après ça, ça a été plus sérieux. Là, c'est Donald Pilon qui m'a rappelé. Okay. Il dit, Yvon, le projet est très, très sérieux. Ton billet d'avion est à l'aéroport de Mont-Joli. Wow. Il faut que tu sois au Ritz-Carlton ce soir à 6 heures. Fait que j'ai pris l'avion à 3 heures. Je suis arrivé au Ritz-Carlton à 6 heures moins 5. J'ai appelé M. Fenton à sa chambre. Puis j'ai dit, Mr. Fenton, Yvon Barrette, how did you made it? Comment t'as fait? Bien, ouais, donc. Mais là, j'avais hâte de savoir c'était quoi ce film-là. Alors, je dois avoir faim. Il m'a amené dans une brasserie près de Ritz. Et puis, mais j'avais pas faim. J'avais le goût de savoir c'était quoi. Ouais, j'imagine. Oh, c'est ça devait commencer à vous tracasser. Ouais. Là. Fait que là, il a commencé à me raconter l'histoire du film d'un bout à l'autre. Il dit, le film commence sur trois, t'as une entrevue à télé, ta. Et puis, il m'a raconté l'histoire d'un bout à l'autre. Ensuite, on est remonté à sa chambre et j'ai lu le scénario d'un couvert à l'autre. Puis vers minuit, j'ai auditionné. J'ai fait la première scène du film, puis lui m'a donné la réplique. Et quand il a eu fini les quelques pages de texte, il s'est mis à improviser. Mais j'avais déjà une bonne idée de qui était Denis Lemieux. Ça fait que je l'ai convaincu. Et ça a été ça. Après ça, c'est... quelques mois où je me suis préparé à... Je voulais faire moi-même mes apparitions. Le cascadeur, le gardien de but, qui n'a pas d'expérience, mais qui va être parfait. Là. Et puis, malheureusement, j'ai été blessé la dernière journée avant qu'on se prépare à tourner. Okay. C'était le samedi près de Johnstown. On a tourné à Johnstown, en Pennsylvanie. Oui. Et puis, on tournait dans une ville adjacente, pas loin, là, dans un aréna. Puis, j'étais dans les buts avec mon équipement. Puis, George Royal était sur la glace. Puis, les joueurs étaient là, les acteurs aussi. Puis, George Royal a demandé à tout le monde de ne pas me faire de lancer frappé de l'intérieur de la ligne bleue. Mais mon ami Jerry Hauser était un peu survolté, ce qui il s'est approché et il a fait un lancer frappé. J'ai fait l'arrêt avec l'intérieur du genou, mais il manquait une pièce d'équipement. OK. Fait que je me suis effondré sur la glace, puis George Royal est venu me voir, il dit « Es-tu correct? » J'ai dit « J'ai fait l'arrêt. I made the save. » Ça fait qu'il va avec son chauffeur à l'hôpital à Johnstown. Puis ils ont appelé le médecin de l'équipe des Jets
parce que c'est un médecin qui est habitué à ce genre de blessure-là. Puis il est venu ausculter mon genou. Et puis j'avais déjà le genou à peu près 3 fois plus gros que normal. Là. Je me suis mis à faire de l'eau dans le genou. Et puis il m'a programmé 3 semaines de béquilles. OK. Mais je ne pouvais pas faire 3 semaines de béquilles. Dans ma tête d'acteur québécois, je me suis dit, bon, ben écoute, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Là. Ils commencent le tournage lundi. Mm-hmm. Et puis, c'était l'amitié s'est installée rapidement. OK. Dans cette équipe-là. Celui qui jouait... Enrian est venu me voir après la pratique. Il est venu voir à l'hôpital si j'étais correct. Okay. Quand je suis arrivé à l'hôtel, à ma chambre, Lindsay Krause est venu me trouver. Puis elle m'a dit, je vais m'occuper de toi, je vais te changer ta glace. Mais dans ma tête, moi, c'était fini. Il allait prendre quelqu'un d'autre, tu sais. Je me dis, c'était un courage quand même. Mais ça faisait une demi-heure que j'étais dans mon lit... avec des mauvaises idées en tête, puis ils sont rentrés dans la chambre. Paul Newman avec une revue. Paul Newman avec un panier de fruits, puis une bouteille de fine Napoléon. George Hill avec une revue de Screw Magazine. Alan Nichols avec le reste de l'équipe m'avait composé une chanson. C'était moi, Denis Lemieux, que j'avais pas à m'inquiéter. Ça fait que j'ai... Quand tu reçois... un témoignage d'amitié et de confiance aussi important, ben tu fais le mieux possible après. Ouais, c'est certain. T'sais, puis j'avais un personnage extraordinaire à jouer. Tous les personnages avaient quelque chose d'important, puis il n'y en a pas de petits personnages dans ce film-là. Non, c'est la qualité du film. C'est tout le monde est à sa place. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le résultat du travail. Tout le monde se complète bien, oui. Ouais. Le scénario était extraordinaire. Ce scénario-là a été écrit pour un peu ridiculiser la violence au hockey, parce que dans la Ligue nord-américaine, c'est rough, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, j'ai vu du hockey là, avec des batailles puis des affaires de main, puis les polices pour aider les arbitres à sortir là, pendant une finale, puis avoir des dons. Mais j'avais pas vu de joueurs lancer leur hockey dans les estrades. OK? Puis des affaires de même, mais ça n'avait pas de bon sens. Puis tout ce que tu attendais de la part des spectateurs, c'est rentrer dans la bande, arracher la tête. Ça n'a aucun bon sens. Et ce scénario-là a été écrit par celui qui fait Oglethorpe dans le film. Ned Dunn. Il jouait pour Jets. Il devait faire le camp d'entraînement des Blackhawks de Chicago. OK. À l'automne. Okay. Okay. Mais il a été blessé assez sauvagement que ça a mis fin à tous ses espoirs de faire la Ligue nationale. OK. Puis eux autres venaient de Los Angeles. Sa sœur Nancy Dowd, celle qui a écrit le scénario, était à Los Angeles. OK. Il a réalisé que, bon, sa carrière à lui était finie. Il voyait la situation. Il a demandé à sa sœur de venir à Johnstown. Puis elle a passé un mois autour de l'équipe. Okay. Elle a mis des tape recorders dans le locker room. Elle a écouté le langage qui était parlé. Ouais, ouais, ouais. Elle a considéré aussi la violence qui était là. Dans quel pitoyable état l'équipe était. Ils ne savaient plus où ça allait. Non? Mm-hmm. Ils ne savaient pas où s'en allaient les Jets. Non? OK. Comprends-tu? Ouais, ça, ouais, ouais. Un mois et demi là, elle a écrit ce scénario-là qui est pratiquement un documentaire. OK. Puis quand elle a présenté ce scénario-là à George Royal, il a trouvé ça génial. Puis comme lui, il avait travaillé beaucoup avec Newman dans d'autres films, ils étaient proches l'un de l'autre. Mm-hmm. Ils ont fini par se retrouver autour du film. Puis après ça, ben, ils ont construit l'équipe. Wow. Puis ils ont pogné quelqu'un de Saint-Léon, puis ils l'ont mis d'un but. Mais c'était extraordinaire. On a eu 13 semaines de tournage. C'est quand même...
dans ce temps-là, c'était ça. Tu sais, c'était un film où tu avais le sentiment que tu avais le droit de te préparer comme il faut, de répéter, de faire des folies. Tu sais, une gang de gars ensemble, ça a été un moyen party de faire ce film-là. Mais le résultat est extraordinaire. Mais ça n'a pas été tout de suite ça, là. Alors, j'imagine, vous avez dû prendre beaucoup de prises, vous avez dû, aussi beaucoup improviser, puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'improvisation qui a été retenue, parce que c'est souvent ça qui fait en sorte que le petit « wow factor », tu sais, qui... Mais je pense que le scénario était tellement bien écrit. Oui. Okay, qu'il y a eu pas tant d'improvisation. Ah, OK. Ah, OK. Mon personnage en a eu un petit peu plus que les autres. Okay. Parce que je parlais souvent français dans le film. Treat me right fucking now, par exemple. Hey, what did you say? Is it okay? Je suis obligé d'aller souvent écrire mes répliques. Puis j'ai eu un bon rapport avec le réalisateur. On a eu du fun. Parce que bon, je vais vous raconter l'histoire, le temps qu'à y être. Oui, allez-y. Là, j'ai 38 ans de sobriété. OK? Le film, 45 ans. Ça fait que j'avais un léger problème d'alcool. OK. Quand j'ai fait le film. Puis c'était pas mal le party tout le temps. Puis à un moment donné, au début du tournage, j'étais inquiet. Comme un Québécois, je voulais savoir si le travail que je faisais était correct, si ça faisait l'affaire de tout le monde. Ça fait que j'étais au bar, on était tous au même hôtel à Johnstown. Puis j'ai communiqué avec George O'Hill à minuit, je l'ai appelé, à sa chambre. J'ai dit « Hello? » Il dit « Who's talking? » It's Yvonne. Il dit « What do you want to talk about? I'll see you at Greyfest tomorrow morning and we will talk about it. Okay. » J'ai bien vu que j'avais fait une gaffe, là, tu sais. Ouais, réalisateur à minuit à sa chambre. Bon. Le lendemain matin, au déjeuner, il était déjà dans la salle à dîner, lui. Fait quand je suis arrivé, il s'est levé de sa table, puis il a marché vers moi, puis il s'est emmené, puis il a dit « What do you want to talk about? » Je l'ai regardé, puis j'ai dit « I'll call you tonight. » Puis ce moment-là a créé une espèce de confiance, une bonne amitié. Il me demandait souvent d'improviser. Tu sais, à un moment donné, je fais une espèce de crise d'épilepsie dans le locker room. Tu sais? Ah oui, il va être allergique à vos fans de « Je dirais pas le bon ». « My allergic to those fucking fans. » Oh, oui, c'est ça. « Makes me puke all the time, puke. » Bon, ben ça, je devais avoir un texte. Okay. J'attendais habillé en gardien de but depuis 8 heures le matin. Hey, en face du locker room. Il était après d'autres scènes avec le reste de l'équipe. Fait que là, j'étais un petit peu tanné d'attendre, mais ils ont fini de tourner vers 6 heures. George Hill est sorti. Il dit, Yvon, forget the lines, oublie les répliques. Fais-moi une crise d'épilepsie. Eh bon. Mais c'était après 45 ans là, d'être capable de se promener avec un personnage de même. Puis ça n'a pas été tout de suite là, la suite pour moi. À la première, excuse, je vais continuer. Pas de problème. Allez-y. À la première à Montréal en 77, okay. On était dans le hall d'entrée, il y avait Yvan Ponton, évidemment, il y avait Jean Tétrault, il y avait Nancy Dowd, on était plusieurs du film. Oui. Il y avait un visionnement à 5h30, puis la première était à 7h30. OK. Ça fait qu'on était dans le hall, puis j'avais hâte de voir sortir le monde de la salle, voir s'il y avait eu du fun, comment il avait pris ça. Le premier qui sort de la salle, un fan fini des Canadiens, un Irlandais d'à peu près 70 ans. Il s'enligne direct sur moi et il dit « You're a disgrace for hockey. » Oh non! Les gens, au début, les gens étaient insultés par le langage. OK. Tu vois,
les joueurs de hockey professionnels se donnent une espèce de statut. Ouais, ouais. Ils s'habillent bien, ils ont des belles voitures et tatata. Ouais. Puis les équipes les poussent à ce genre de comportement-là. Ouais, j'imagine. Ça fait que moi, ça a été tranquille de 1977 à 2001. Hi, quand même, là. À 2001, j'ai fait 15 février 1839 avec Pierre Fardeau. Oui, oui, oui. Ouais, les Patriotes, oui, c'est ça. Ils sont fait pendre. Oui, aux États Primo. Mais à partir de là, mon fils a fait une page avec des photos des films auxquels j'avais participé. Puis quelqu'un à Los Angeles a vu cette page-là sur le web. Okay. Puis il a communiqué avec moi. C'est devenu un ami, Ken Blake. Puis il dit, est-ce que c'était vous le gardien de but des Chiefs? J'ai dit oui. Il dit, accepteriez-vous de me signer des rondelles? Mmh. Pourquoi? Je ne suis pas un collectionneur, rien. Ouais, ouais, ouais. Mais là, il m'a expliqué que lui, il avait parti son site web dès la sortie du film en 76 à Los Angeles. Puis que c'était un site qui marchait. Puis lui, il est devenu fan du film à l'instant où il l'a vu. Wow. Fait que moi, c'était le premier vraiment qui me témoignait une certaine reconnaissance pour avoir fait ça. Et puis, il m'a envoyé ses rondelles. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que j'écrive ses rondelles? Il dit, Denis Lemieux, numéro 1, Yvon Barret. Puis quand j'y ai retourné les rondelles, j'ai mis des feuilles d'appel du film, des call sheets, où il y avait le nom de tout le monde, de tous les acteurs, ouais, de la technique aussi. Puis lui, à partir de ça, il a réussi à contacter la plupart des acteurs. OK. En faisant, il a rencontré Louise et Janet Arthurs, les deux grandes blondes, qui sont les meneuses de claque du film. Dans le locker room avec Guido Tennessee, bien donc bon. Puis il a réalisé que Louise faisait de la sclérose en plaques. OK. Puis il a été touché, c'est un gars sensible. Il m'est revenu, il dit accepteriez-vous de me donner quelque chose pour venir en aide à Louise? J'ai donné mon scénario original. Tout le monde a donné quelque chose, Newman, Jersey, bien oui, donc. Wow. Puis pour la première fois depuis le tournage, en 2002, ça, ouais, on a tourné un soir à Philadelphie, puis un soir à Johnstown. Louise faisait la mise au jeu dans sa chaise roulante des deux parties. Puis on était une gang de slapshot. Là. Pour la première fois, on s'arrêtait au tournage. Là. Plusieurs. Puis là, on a signé des photos. Deux soirs, on y a ramassé 25 000 pièces. Wow! Félicitations, honnêtement, c'est un bel exploit. Non, non, mais tu sais, attends, ça n'arrête pas là. C'est qu'à partir de ça, moi, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose à faire d'extrêmement positif avec ce film-là. Mm-hmm. Tout le monde, toutes les équipes professionnelles, autant football, hockey, baseball, ont des fondations qui supportent. Ah oui. Puis, quand ils invitent la gang de Slapshot, ils réunissent la quantité de monde qu'ils veulent. Là. Ben, c'est ça. C'est normal aussi. Ah, ouais. Le problème, ça fait que depuis 2001, on fait à peu près 4 ou 5 levées de fonds par année. Wow! Et puis, je me suis lié d'amitié avec un Kerry Goulet, qui, lui, a fait sa carrière de hockey professionnel en Allemagne. OK. Fait qu'on a fait 4 tournées en Allemagne. Ah, ça, c'est cool. On a fait une tournée en Australie. Mais ça, le fait d'avoir joué ce personnage-là, ça m'a permis de me retrouver aux côtés de Daryl Sittler puis de Tiger Williams en Australie. C'est cool. Puis on rentrait dans l'aréna à Sydney, là. Puis pour les spectateurs à Sydney, Tiger Williams puis Daryl Sittler, il ne les connaissait pas. Mais quand il voyait mon chandail de Denis Lemieux avec le nom en arrière, ils connaissent toutes les répliques partout.
C'est drôle que vous dites ça parce que, tu sais, moi, je me souviens, il y a quelques années, tu sais, au début de l'Internet, tu sais, tu es arrivé en 95, 16, 17 à peu près, je ne me souviens plus exactement, mais tu sais, je me souviens, là, il y avait des pages Internet, puis tu pouvais... les points wave. Tu pouvais télécharger des images, c'était super long. Télécharger des waves, puis tout ça. Puis je me souviens que les premiers sons que tu pouvais récupérer de l'Internet, c'était toutes des répliques de Slapshot. Il y avait du Elvis Graton, du Kikachon aussi. Ben oui, c'est ça, mais c'était vraiment comme... Ça a marqué mon enfance à quel point, tu sais... Ces répliques-là ont resté et ont duré pendant comme 45 ans, tu sais, puis c'est ben... On en entend encore parler. Après ça, l'an dernier, ça a marqué votre 45e anniversaire de ce classique, tu sais. Pouvez-vous nous en parler, tu sais, de cette fameuse réunion mémorable? Moi, je peux t'en parler parce que j'ai fait exactement ce que je fais là. OK. En attente d'une opération. Oui. Je ne pouvais pas me promener parce que je ne savais pas exactement... quand je serai opéré. Okay. Je demeure disponible. Puis eux autres ont fait le tour de je ne sais pas combien de villes au Canada. OK, OK. Et quand il y avait des gros parties, on faisait comme on fait là. Ouais. Puis bye-bye. Ça me manquait, mais là, je recommence à voyager. Okay. Super, mais je suis content de m'entendre. Ouais, Boston, Buffalo, Minnesota. Au mois de mars, là, j'ai 3-4 suites. Ah, fait que c'est bon qu'on vous aille pogné là, parce que peut-être vous n'auriez pas été disponible dans les semaines à venir. Je vais te dire de quoi, la vie organise bien les affaires. Ah, ça, c'est sûr. On aimerait connaître vos opinions sur les deux suites qui ont eu lieu, une en 2002 avec Stephen Baldwin, et une en 2008 avec le regretté Leslie Nielsen. Les aviez-vous vu aussi? Moi, en tout cas, regarde, je vais te parler de... C'est parce que ce qu'il y a dans Slapshot, il ne l'a pas dans ces films-là. Non, hein? Ouais. Ah, il y a pas quelque chose. À part les frères Hanson? Ouais. Il n'y a pas d'humour. Mais les frères Hanson, moi, c'est bien de valeur. On était ensemble en Allemagne, puis ils m'ont demandé comment je trouvais Slapshot 2. Puis j'ai dit, un de mes chums qui appelle ça Slapshit. shit. Mais parce que j'étais déçu. J'étais déçu parce que il y aurait en principe, s'il avait invité plusieurs acteurs du premier film, on avait une confrérie qui existait dans Slapshot. Là. Puis ça, ben, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, j'ai reçu ça à Noël une année. Je n'ai pas le troisième, là, mais il y a Slapshot 1, Slapshot 2. vous devez l'avoir laminé, ce coffret-là. C'est Slapshot 1. Comment vous dites ça? Je dis, chanceux, t'as Slapshot 1. Ah, ben oui, ça, dans ma collection, ça. Et puis, en 2012, dans le fond, suite à toute la fébrilité en lien à Slapshot, ils ont essayé de créer un film... qui s'appelait The Goon, qui était interprété par l'acteur principal, Sean William Scott. Le fameux Stifler. Oui, c'est ça. Quelle est votre opinion à propos de ce film-là? Moi, regarde, c'est dommage, mais ça ne m'a pas rejoint. Pas vrai. Moi, la violence, là, je trouve qu'on l'avait ridiculisé très bien avec Slapshot 1. Ouais. Disons que c'est assez hardcore. Ouais. Je veux dire que, regarde, on n'a probablement pas atteint notre but parce que ça n'a pas empêché la violence d'exister encore au hockey. Non, effectivement. Alors, les gens l'ont reçu différemment, le film. Mais quand tu regardes ça, là, c'est assez rare qu'un film de hockey finisse par un striptease. c'est certain. Puis, ce film-là, il a été adopté par toutes les ligues de garage du monde entier. C'est vrai. C'est quand tu penses à les gens en Saskatchewan qui ont eu un accident d'autobus. Oui, là, plus de 3-4 ans, oui. Ont perdu la vie. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Bon, dans le stationnement, à côté de l'autobus accidenté, il y avait une cassette de Slapshot. Oh! C'est-à-dire qu'ils avaient écouté ça. Ils sont morts à rien, au moins. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais comme on parlait juste avant du premier film de Slapshot,
versus tout ce qui a été fait. Puis c'est vrai qu'il y avait, oui, il y avait de la violence, puis tu sais, c'était de la violence exposant 10, on va dire, mais je trouvais qu'il y avait, il y avait le petit côté drôle. Bon, moi, je me souviens d'une scène, Benoît. La, à un moment donné, il y a un gars des frères Hanson qui snap. Puis le gars qui joue de l'orgue, il l'a soué par la tête. À chaque fois, je l'écoutais peut-être 200 fois le film, mais à chaque fois, t'es sûr de rire. Et ça me fait éclater de rire. Ça a pas, tu sais, il y a tellement d'affaires drôles, là. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas. Moi, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de fans de Slapshot. Puis l'affaire qui les attache à ce film-là, c'est l'humour. Oui. Je travaille fort toute la journée, j'arrive à la maison. Tu sais, je m'ouvre une canette de bière, je mets le DVD de Slapshot dans la TV. Divertissement pur, là. C'est ouais, ouais. C'est ça. C'est reposant, tu sais. Objectif accompli, comme on dit. Monsieur Barrette, nous autres, moi et Jonathan, on est deux petits gars de Québec. On a perdu les Nordiques en 95. Avec toutes les rumeurs qui circulent, croyez-vous à un éventuel retour des Nordiques de Québec? Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Ça aurait dû arriver bien avant. Je vais te dire, tant que Gary Bettman va être là... ouais, lui, ouais. Les clubs canadiens, il n'est pas full pour ça. Là. Ah, ça se peut. Non. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup le hockey. Je suis un fan des Canadiens. C'est le fun cette année. Les gars ont du plaisir à jouer. Ben oui. Un bon coach, tu sais. Pour moi, le hockey, c'est ça. Tu sais, il faut que tu aies du plaisir à jouer. C'est un jeu. Je travaille, je te dis, avec Kerry Goulet. Puis lui, il est parti de deux fondations. Une qui s'appelle Shoot for a Cure, qui ramasse des fonds pour des recherches sur les maladies de la moelle épinière, des accidents de joueurs de hockey souvent. Puis l'autre fondation, c'est Stop Concussion. Faire de l'attention sur la prévention des commotions cérébrales. Oui, oui. On va mettre les deux liens dans votre entrevue si les gens veulent donner un ou quelque chose. Tu veux ça pourrait être écouter les sites. Très heureux de ça. Ouais. Super. Ça va nous faire plaisir. Ils vont dire que Pierre Goulet, il est à Melbourne. À qui? À Melbourne? À qui? Comme coach. À qui? Et Melbourne Ice. C'est pas à porte? Non. J'ai fait des petites vidéos, puis j'en ai. Super. merci beaucoup, M. Barrette, de votre temps, honnêtement. Ça fait déjà pratiquement plus de 30 minutes qu'on est avec vous. Et comme à l'habitude, juste à la fin de notre émission, Benoît, a.k.a. Nastradaben pour Nastradamus. Ok. Tu peux nous prédire, en fait, à la fin de nos émissions, le futur de nos invités. Alors, la voix est à toi, mon ami. La parole est à moi. Yes. Ben, tout d'abord, M. Barrette, ça fait un honneur de vous avoir comme invité. C'est inoubliable. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je prédis que peut-être vous l'avez fait dans le passé, je ne me rappelle pas, mais que vous allez genre ressusciter votre personnage de Denis Lemieux dans un commanditaire publicitaire. Là, genre, c'est comme ça, mais là, je suis en négociation avec une entreprise de Montréal. Ah. Pour utiliser la première scène du film pour faire la promotion de leur affaire à eux autres. C'est bon, Ben? Ah, c'est cool! Ah, mais c'est rare, Ben, c'est rare qu'ils se trompent. T'sais, nous, on est des fans de lutte. Mais on est aussi des fans de hockey, puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, on écoute des trucs. Puis, ces prédictions-là sont pas mal proches. Puis, c'est le fun de... Déjà, ça, là, je trouve ça assez spécial. Là. Ben oui. vraiment, là. Moi, je vais vous annoncer une autre nouvelle. Oui, allez-y, oui, allez-y. À papa, aujourd'hui. Ah, oh, c'est donc bien le fun. Félicitations. Félicitations, M. Barrette. C'est la première fois? Oui, OK. Super. Hey, on vous embrasse et on vous félicite, honnêtement. Il semble que ça change la vie. Puis c'est le fun parce qu'on les gâte. Après ça, on a moins de responsabilités. On les gâte. Puis après ça, on les pitch. Moi, grand-papa, là, ça a été une bénédiction. C'est fantastique. J'ai une belle famille. C'est le fun. Vous êtes un bon vivant, en tout cas. Ben oui. Eh oui.
Dieu merci. Oui. Puis on vous souhaite encore des belles années et de la santé. Alors, ben, c'est ici que se termine notre émission spéciale avec M. Lemieux qui est interprété par le gaulard des Chiefs. Oui, c'est et, ça. Et Marie-Von Barrette, en fait. Qui nous parlait depuis Matane. Yes, depuis Matane, avec la belle tempête d'hiver. Oh. Merci beaucoup. C'est un honneur, honnêtement, que vous ayez pu prendre quelques minutes de votre temps et de votre générosité. On vous embrasse, puis bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée à vous autres aussi. Au revoir, M. Barrette. Merci. Au revoir. Bye.